faut que je vous raconte l'histoire de mon pote, Albert Roche. Pendant la guerre de 1914 à 1918, on était tous les deux chasseurs, ou 27. Sur la photo là, juste derrière Albert, eh ben c'est moi. Je l'ai pas lâché d'une semelle. C'est sa mère qui m'avait demandé. J'étais censé le protéger. J'étais devenu la nounou du plus petit soldat de France. La merde. Ah, et sur cette photo là, Albert, il est en train de servir un petit coup de jaja à deux soldats qui ont la même taille que lui. La photo, elle tremble un peu, c'est que c'est moi qui l'ai prise et qu'on venait d'essuyer un sacré coup de tampon. C'est que nous, les chasseurs, on est toujours à l'affût. Les chasseurs du 27. Et là, sur la photo, vous demandez peut-être, mais c'est qui le gars à côté d'Albert? Eh ben, c'est le général Foch. Et je peux vous dire qu'il n'est pas peu fier d'être à côté d'Albert, le général. Alors si je vous dis que dans cette histoire, il est question de légion d'honneur et de désertion. Si je vous dis que dans cette histoire, on était sur tous les champs de bataille, des Sudelles au chemin des Dames. Et si je vous dis que, depuis le début de cette histoire, j'ai toujours pensé que ça allait mal finir, alors peut-être que vous aurez envie de me rejoindre ici, au musée des troupes de montagne, pour que je vous raconte une épopée extraordinaire. Albert Roche, un petit homme bleu dans la Grande Guerre.